Salut à tous, c'est Tuto Arnaque. Aujourd'hui, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo portant sur Pokémon Donjon Mystère 2 sur Nintendo DS. On venait du coup de se faire gronder pour ne pas avoir, par Pijako, qui est le bras droit du maître de la guilde, le gros doudou, pour ne pas avoir réussi à ramener de pommes parfaites, et on va reprendre tout de suite là où on en était. Voilà. Donc je joue évidemment sur émulateur drastique, sur mon téléphone, bon. Ça n'a pas tellement d'importance, mais en gros Samsung Galaxy 10e. Voilà, normalement ça marchera pour tous les téléphones Android, pour peu que vous ayez l'application. Je ne sais pas si pour Apple il y a l'équivalent. Ce serait à creuser. Donc on va continuer et je vais charger la partie. Et donc voilà, on reprend ici. C'est ici qu'on sauvegarde, hein, l'ortura. Bon, là, ça sert à rien que sauvegarde. Et du coup, on va voir ce qui nous attend pour la suite. Donc les crânes à gauche, c'est eux qui nous ont roulé. Et qui ont calmé le chef en ramenant une pomme parfaite qu'ils avaient ramenée en scred après les avoir tapé dessus. Et on reprend à ce niveau-là. Ouais, une expédition aussi. Il faut savoir qu'il y aura une liste dans laquelle sera marqué ceux qui vont participer. Il va falloir, nous, en tant qu'équipe d'exploration, qui est YouTube, hein, je rappelle, se donner à fond pour en faire partie. Mais on verra plus tard que ce sera plus compliqué que cela, ou peut-être moins du coup. Voilà, donc le Thor qui est le bleu de l'histoire, est content. Alors je vais peut-être pas lire tous les dialogues parce que c'est vrai que c'est assez cringe, mais vous les avez sous les yeux. Ouais, on a faim parce qu'on n'a pas mangé, donc là c'est Poucéfeu qui me le dit. Et comme on a raté le fait de ramener des pommes parfaites, on n'en fera sûrement pas partie d'après Pijako. Impénétrable. C'est Jésus-Christ ou je sais pas, Dieu. Voilà, on a les bandes de la guilde qui vont être gentilles, qui nous ont apporté à manger. Voit qu'on fait à Miami du coup avec la petite communauté. Proche de mon j'en vais toujours pas. Ok, allez, on va voir du coup, on va se lancer avec Radopo qui nous explique son chaudron. Très honnêtement, je sais même plus à quoi ça sert. Je crois que j'étais pas très très fan de son truc. Thank you.
Non, ouais, si, mais je crois que j'ai jamais essayé en fait. En fait, on peut troquer. Ah, d'accord, faut les étoiles. Ok. Bon, bah, on verra plus tard, du coup. On va voir le chef de la guilde, ce qu'il en pense. Faut que tu s'en branle, complet. Que je peux pas ramener les pommes. Il me dit juste le truc basique, ok, on s'en fout. Bon, on va faire les quêtes d'émission, hein, du coup. Hein. On est là pour ça, alors qu'est-ce qu'on va faire? Quand ça va se tromper, bien sûr, j'ai déjà fait un plan doctoral. Qu'est-ce que j'ai comme mission? J'aurais pas à faire en fait. Beaucoup de droits littoraux encore. Je pense qu'on va les faire. Enfin, on verra. J'ai une grosse cascade aussi, mais je crois que j'ai pas grand-chose. Bon, là, il sait encore, mais je me suis défoncé la dernière fois, donc forcément, il me personnalise tout de suite. Ok. Quoique, ça pourrait vraiment reprendre notre revanche aussi. Bon, allez, on va aller les droits littoraux. C'est très rapide à faire. Hop. Ça, on va essayer d'en faire deux. Parce que certainement qu'il faut en faire plusieurs pour que ça avance un peu l'histoire. Ah, j'ai un gros bouton qui me suit. Donc, je pense qu'il faut explorer tout le niveau. Alors, attendez, je vais voir si je peux quand même rose bouton changer ses. Ah non, je peux pas. Ça va faire chier. Alors, c'est quoi mes quêtes? Étage 2, ok, faut juste les escorter. Ok. Ça va rien être compliqué. Ah zut, j'aurais dû. Ouais, j'ai oublié les objets. Faut faire un échange avec ça, on s'en fout. T'es pas obligé de te ramener vers l'ennemi. Non. Oui. Merci Rose Bouton, ça sert à rien. Voilà. Ça va aller très vite, hein, je pense, la grotte littorale. Avec 4 étages. Ça va assez facilement, on va pas se mentir. Hop. Et voilà. Il y avait un truc là. C'est un ennemi? Non, j'ai rien vu, j'y arrivais. Ouais, hop. Voilà. Ah, fallait juste l'amener à vers quelqu'un du coup. Bon, dès qu'on peut rentrer, on a fini. Hein. Et voilà, on a fait une mission, c'est très 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 court, mais comme ça m'en fera une. Et on aura des récompenses. Ça sert à rien de dire que ça va rien pour vraiment le coup. Pareil, ça sert à rien. Et donc voilà, le truc habituel, quand on a fini une mission. Donc là, je pense qu'il n'y aura rien d'incroyable, à mon avis, ce sera... faut faire deux missions avant de pouvoir... Enfin, deux blocs de missions avant de pouvoir espérer faire plus loin. Et vraiment faire dans l'histoire, quoi. On va quand même sauvegarder. Hop. Bon, je crois que j'aurais dû attaquer de distance tôt ou tard parce que ça commence à être long de taper tout au parcours. C'est pas le top.
Voilà, Oura machin, et je pense qu'il va me redire la même chose. Ah non, je monte la garde. Bon, on va monter la garde alors, hein. Parce qu'on fout. Ah, par contre, je vais, comme la dernière fois, je vais inverser les écrans. C'était ça, pardon. Hop. Allez, ça, on fout. J'imagine que c'est lui, il n'y a pas d'autre choix. Ok. Boubou, je dirais lui. Attends un petit peu pour être sûr. Peut-être pas en fait, plutôt lui du coup. Non. Attends, il soulève des rochers, Gobou. C'est Gobou, je croyais que c'était un Pokémon haut, c'est pas logique. C'est ce que j'aurais dit en premier. Donc là, c'est lui, c'est sûr. Je dirais que c'est Ronflex là. Ah non, c'était Cinéabrase. Je vais me faire détruire, j'ai vu de la merde. Là j'en sais rien en plus. Je dirais que c'est pareil cool. Ouais c'est pareil cool. Pareil cool pardon. ces derniers j'ai fait deux fautes en plus. Bon, mais on n'a pas très bien brillé. Hein. On a fait deux fautes quand même. Hein. Bon, c'est pas ouf quoi. Franchement, c'est pas ouf ce qu'on a fait. Hein. Là, on cumule un peu les bourdes, hein, on va pas se mentir. Dans le lore, là, on est pas bien ouf. Hein. Alors, à voir où on en est. Et on peut renverser l'écran du coup. Mince, je suis gardé. Allez go, soyons fous. Voilà l'émission, les machins, les etc. Allez au travail, go. On va voir ce qu'on peut faire. Attends, on va regarder ce qu'on a sur nous. Hop. J'avais fallu se tremper mon hérissé. Ça regarde partout. Grosse cascade deux fois quand même déjà. J'aimerais bien aller au côté escadre en vrai. Bon, là, c'est longtemps qu'on l'a pas fait. Donc on a pas tous fait. Honnêtement ils ont l'air d'avoir envie que j'aille au mont hérissé. Hein. On va aller au mont hérissé du coup. Hein. On va aller au mont hérissé, hein, du coup.
le destin souhaite nous amener là-bas, on va y aller. On va essayer de réussir cette fois. Je pense que je prends un peu plus de résine graine au cas où. On va reprendre mes deux acolytes. Est-ce que je prends elle ou rose bouton? Je me souviens plus qu'on combattait à moins rissé. Bon, alors on prend elle. Pas une petite gagne comme on dit. Hop. Allez, go! On va voir ce qu'on fait avec les objets parce qu'on peut plus rien prendre. Et on va retirer ça aussi. Bon, on va éteindre de délicat capacité, ça coûte trop cher. Je me sens que c'était un peu une arnaque quand même. Ah oui, je peux rien forcer de toute façon. Ça on peut vendre, celui-là on peut vendre, la gelée on va vendre, celui-là on peut vendre. Ah celui-là c'est pour le pour l'empoisonnement, donc on va peut-être le garder. J'ai des pommes encore d'ailleurs, faut plus de pommes. J'ai peut-être manqué de pommes. On va acheter une pomme au cas où. On a un résidu de graines à acheter, c'est cool. Je pense que je pourrais avoir une séance que je vends. Ça, on s'en fout, on s'en fout. Ah, j'ai pas vendu ces trucs apparemment. J'ai acheté une pomme et une résidu de graines, du coup je pense que ça va pas compenser. Je vais poser des trucs, je pense, pour tout ce qui est soin. Ça a rien à regarder autant, mon avis, sur moi. Je pense que je peux en poser. L'orange, j'en ai pas mal quand même. Même les vaccixir, je pense que je peux en poser. Ça, je peux poser. Les roupirènes aussi, je peux en poser. Ouais, je pense que là, on est pas mal. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. En fait, j'ai pas tant de choses que ça. Hein. Je pensais que j'en avais plus. Des graines. Ok, bon, on va se contenter de ça pour l'instant, du coup. Et on va lui acheter une résu graine, du coup. Je pensais que j'avais plus de pommes que ça quand même. Ah, ça a pas suffi. Là, ça c'est la dèche quand même. Hein. Ah, mais ok, je crois que j'ai bon. Ouais, ça va le faire. On va pouvoir acheter une fraise de graines. Et voilà. Il n'en va pas partir. Peut-être juste poser notre argent à partir, même si on n'a pas grand chose. Hop. Merde, j'ai plus rien. Allez, on y va. À l'attaque. On va retourner prendre notre revanche, du coup. Mon Eric, c'est du coup. Hein. Je pense après ça sera bon pour avancer dans l'histoire à mon avis. Les pièces, ça fait toujours plaisir.
D'ailleurs, j'ai pas regardé si mon équipe ça avait changé ou pas les capacités. Ouais, c'est plus d'un coup. Hop, ah, une pomme. Allez, j'ai pas mis le son ici. Ah, okay. Non, si on s'en fout. En fait, avant niveau 5, on s'en fiche du coup. Donc, on peut tout avancer assez rapidement. De toute façon, on a rien. Je peux taper lui. Hop. On aura eu. Et on continue. Hop. Ah, ça peut toujours servir le Snowgrain. Notamment quand je vais combattre. En fait, l'avantage de Snowgrain, c'est que ça va le déranger. Donc, quand je vais combattre des boss, ça va le faire n'importe quoi. Hop, un de moins. Ah, par contre, c'est dommage, c'est que tout ce que j'ai, il n'y a rien qui se vend bien cher. Même si ça va quand même me servir. Vous voyez, là, j'ai trouvé un truc au sol. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez, j'ai un bâton pourri. Ouais, là, je commence vraiment à manquer de place dans mon inventaire en fait. Je commence à avoir pas mal d'objets intéressants. Mais du coup, ça me fait le contre-coup, c'est que j'ai pas de. Eh, pourquoi moi? Ah bon, on va l'avoir là quand même facilement. Alors là on va. Elle est quand même bien blessée hein, Gérard Dino. Bon ça va. On a eu voilà. Lilia. Bon tu suis complètement désorienté. Il faut des pommes quand même hein, donc je vais prendre des pommes. Parce que je prends un vic, ça sert à rien. Là, on va enlever les guéris, on va pouvoir s'en passer. Et c'est qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on s'en fout complet. Et là, on a le même problème que tout à l'heure. Je pense qu'on peut mettre ça à la place et celle-là on peut la manger. Là. Parce que j'ai pas grand chose à la manger. Pareil pour celle-là. Là, j'ai peur qu'il fasse un gros attaque, mais c'est bon. Hop là. Donc là, j'ai essayé pour rien, on va pas se mentir. C'était un cul-de-sac.
Ah zut. Ah, ça c'est pas mal ça. Bon, j'ai pas de dépigeux de. Excusez-moi. J'ai pas une idée de le surnom, mais voilà. Ah, cool. J'aime beaucoup les tournées en plus. Si tu voles, ça peut servir à certains domaines. Hop, Géraldine montée au niveau 12. Et le problème, c'est que du coup, vos délices qu'elle a. Vous avez chier. Ah ouais, déjà fait un mec. C'est quoi ça? Ouais, je pense qu'on peut s'en passer de ça. À mon avis, on peut s'en passer. Oh, chier. Bon, ça va. Et problème, comme d'hab, c'est que j'ai plus de place. Et là, problème, c'est que j'ai pas d'autres trucs que j'ai envie d'enlever. J'ai envie d'aller une graine, mais franchement, ça fait un peu flip parce que je suis un peu pourri par rapport à ça. Ouais, c'est des bons, ça, quand même. Pas trop vite par contre. Hop. Alors zut. Encore pour rien, un cul-de-sac. Donc c'était en bas à droite du coup. Ouais, c'est vrai qu'elle marche pas. Elle coupe pas les angles de la compétence. Là, je trouve que mes attaques sont très très nulles quand même. Avec la mèche, par exemple, il coupe les angles. Il peut le faire en diagonale. Moi, je ne peux pas avec une baliane pourrie. Ouais, je suis pas été hyper fan là de ça. On peut pas les ramasser. Ah, puisqu'il manque vraiment là, je trouve que c'est une attaque à distance. Je trouvais que Germignon était mieux. Il avait l'attaque à distance, il avait synthèse. Et pas mal d'attaque était très sympa, je trouvais. Moi, je manque d'attaque vraiment utile. Pas et type tout, c'est vraiment cool. La Miaou, s'il peut apprendre Vibraqueur, en vrai, s'il a la bonne CT, donc c'est cool. Ça. Pas trop hein, le Géraldine hein. Allez enfin oui si je l'ai fait, je sais plus si j'ai fait la quête ou pas, mais si je l'ai fait, on s'est oublié ce que je fais. Ah par contre on a un sac, le problème c'est qu'il aurait fallu il faut inverser par rapport à Kelly. Voilà. Et on a encore un objet à la con à ramasser. D'ailleurs, je vais regarder s'il me reste objectif ou pas, ou si j'ai tout fait. Il me reste un. Non, deux même. Deux.
Hop, on va checker notre Neuren, parce qu'on a plus trop de choix. De toute façon, là, j'ai plus de boss à combattre, donc c'est moins gênant. Et là, j'ai hâte quand même d'avoir plus dessus. Hein. Là, je me fais plus trop défendre par les ennemis bêtement, quoi. Mais vite, je coupe le monde, là. C'est vrai que même d'accélérer maintenant suffit à ta longue vie de points. Hop, au sol, on mange. Les pommes, c'est important quand même. Hop, on a trouvé l'audio. Non, pas rentré. Il me reste une de quête et après on peut rentrer. On boit ça, on peut ramasser, ça se trouve. Ah, je l'ai vu, je crois. Il est là-bas. Je vais ramasser ce qu'il y a là. Bon, je crois qu'on aura assez de pommes comme ça. Oui, je veux rentrer immédiatement. Et ouais. Et donc on aura fini du coup cette quête. C'est rapide, c'est simple, hein. C'est pas la quête principale vraiment. Bon, on a arrêté l'IA. On a repris des gargans que j'ai vendus du coup. Voilà, là c'est grave la roche. Ça valait bien le coup de se débarrasser d'un hallucinogène. Hein. Pareil, vélo orange, on fout un peu. Hein. Bah, c'est pas bien ouf la récompense, hein. J'en fous un peu de leur gelée, hein. Beaucoup de gelée, hein. Toi, t'aimes bien la gelée, hein. Donc là, on a la quête qui continue, du coup, voilà. Là, on a un peu d'une histoire. Et donc on va savoir qui a participé à l'expédition. Donc là, c'est moi qui pense, hein, évidemment. Et
Donc effectivement, on a eu des voyances par le passé, lorsqu'on touchait des objets juste comme ça, mais on n'avait pas le choix de le... On peut pas avoir le choix de savoir quand ça allait arriver en fait. Qu'un rouage du temps, se rend compte qu'une silhouette étrange qui découvre qu'il y en a un. Qui ressemble à Masco du coup. Enfin, le Pokémon Masco. On va sauvegarder. Et on va s'arrêter là pour la vidéo, ce sera tout. Vous. On continuera ça dans une prochaine vidéo. Hop.